Salut les amis! Eh ben c'est parti pour un petit tour VTT, je vous avais dit en reprise assidue. Bon, ben la semaine dernière il pleuvait beaucoup, j'ai pas eu le courage. Mais là, on est reparti sur le vélo 2023. C'est la reprise du vélo assidue pour moi. Allez, ça part de là. Allez, ça part de là. Il n'y a personne devant parce que je suis parti tout seul. Comme ils étaient en train de réparer un petit vélo, il y avait un petit vélo qui avait un souci, j'ai dit je commence à y aller tout seul comme ça. Ils m'attendront pas. Ils vont me rattraper vu qu'il y a une très longue montée pour s'échauffer. Eh ben, ça fait toujours ça de gagner. Et puis au moins je roule tranquille, sans stress. Bon, il fait pas de soleil. Il fait froid, je vous fais rire. 8 degrés, donc pour un sudiste on peut dire que c'est fait froid. Motivé, mais je sens que j'ai pas les jambes. Bon, ben c'est normal, ça va venir au fil des sorties. Allez, ça part de là. Allez, ben, dans le départ du vif du sujet, elle est pas violente, mais je sens déjà qu'il y a, je suis à la rue, pas de jambes. Et ça me tire vachement dans le dos. Ça va être compliqué. Il n'y a plus qu'à serrer les dents et s'accrocher maintenant. Ah, vous avez été un peu long pour me rattraper quand même. Hein, ah, sans déconner. Ils sont là. Bon, comme d'habitude, j'ai les copains qui font les allers de retour. C'est dur, hein. Ouh, quoi, j'ai mal aux jambes, j'ai du mal, mais on s'accroche, on verra en haut si on fait pas de groupe parce que là sinon ils vont se faire chier. Je suis vraiment vraiment à la ramasse, donc c'est con de... qui m'attendent pendant des quarts d'heure et qui roulent pas, donc à voir en haut et que moi je continue tranquille à mon... À mon rythme, ça me fait rigoler parce que là il n'y a même plus de rythme. Allez, on se retrouve en haut. Allez, il n'y a pas le soleil, mais il y a la mer en fond là-bas. Encore quoi, 500 mètres et on est en... Et je suis en haut. Je suis mort. Je suis déjà mort. Je ne sais même pas si je vais pas couper et que je vais pas rentrer de suite, mais bon, c'est pas un échec si je le fais, c'est tant pis, je reprends tranquille et puis on verra bien le week-end prochain, on en fera un peu plus. Enfin, je vais voir ça en haut. Allez, même si c'est sur DFCI, je pousse sur cette descente, on bascule de l'autre côté, puis je vois où j'en suis à la montée de l'autre côté, soit je fait demi-tour et ça sera toujours cette descente à refaire en montée, enfin ça fera toujours travailler. Enfin, on va voir à mesure, mais dans tous les cas je pourrais pas suivre le groupe, donc il n'y a plus qu'à se refaire la banane tranquillement. Allez, ça remonte de l'autre côté. Serre les dents. Il manque un petit peu de soleil. Mais bon, déjà, on se plaint pas, on peut sortir. Il n'y a pas de boue. C'est déjà pas mal. Bon, ben maintenant qu'on est arrivé jusqu'à là,
On va se prendre le petit mur et pour se récupérer une belle petite descente, histoire d'essayer de s'amuser un petit peu et que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent en vidéo, parce que là, à part me voir galérer sur de la DFCI, il n'y a pas grand chose. Mais bon, du coup, j'aime bien, tu vois. J'ai tout relâché pour moi dans ma tête, je repartais. Mais au fur et à mesure, je me remets des petits bouts. Donc c'est toujours ça, de prix. Allez, on se retrouve pour la descente. Ah putain! Ah putain, ils m'ont embrigadé. Je voulais pas, mais... tant pis, j'ai suivi. Parce que pour l'instant, je les avais pas perdus. Du coup, je descends tout en bas. Ouais, je te dis qu'ils vont me pousser si j'arrive pas à remonter. Bon, là aussi, par contre, sérieux, parce que les descentes, c'est plus que c'était aussi. Hein. Ah putain, il y a tout à réapprendre. Et dans le VTT, et dans le taf, parce que j'ai changé de branche. Ouf. J'ai l'impression d'être un enfant. Non, non, c'est droit. Tout droit, tout droit. C'est d'où on vient. Eh ben, ça va pas vite, hein. Ça va pas vite, ça va pas vite. Mais bon, on s'amuse quand même. C'est essentiel. Ah, le minot, il m'a mis un trou. Il en se mire. Non, non, il a tout suspendu, maintenant. Mais bon. Oh, quoi. Ah, ça fait un bail que j'avais pas fait. Attends, je me vois. Ouais, il est passé. Oh, c'est bon. C'est bon, ça. Bon, mais même si je suis pas allé super vite, ben ça fait du bien, une petite descente. Hein. C'est bon, ça. Ah, cette adrénaline, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Bon, ben du coup, là, une très longue montée à faire. Tant pis, c'est le contre-coup. Allez, on y va, c'est parti. Bon, ben en haut de la première montée. Ils ont réussi à me rattraper même en faisant une boucle supplémentaire. Eux, ils vont partir par le petit droit et à droite. Moi, je vais continuer par la DFCI et me retrouveront dans la dernière montée. Allez, ça part de là. Allez, on est dans la dernière montée. Il y a Fabien qui est venu avec moi, du coup. Les autres, ils continuent à notre tour. Ça va être compliqué, mais quand on arrive au bout, on sait qu'on a plus que là, pratiquement de la descente derrière. Allez, on est presque. Je dis presque en haut de la montée. Là, là ça y est. Comme à la dernière sortie. Là. Il y a tout qui a lâché. Là. Ouh là là, les jambes, tout. Mais bon, ça va se faire au moral, au mental, j'ai envie de dire, sur le vélo. Et puis après, on va voir si on prend le petit single pour descendre ou si on continue par la piste. Je vais voir avec mon binôme. Allez, je serre les dents et je compte bien revenir en forme. Très vite, ça m'étonnerait, mais le plus vite possible. Allez, c'est parti pour la dernière petite descente. On va y aller calmement parce que la fatigue est là. J'ai perdu ça un petit peu, je suis trop freiné. Je pouvais l'enrouler, mais toutes des sensations, faut que ça revienne. J'ai eu moins de soucis la dernière sortie de fin d'année, moins d'impression. Là j'ai que ça. Oh putain, ouais, il y a filé là le trao. Tu vois, ça d'habitude je le passe. Ah, mais là c'est tout, c'est le seul gros piège après.
Ouais, voilà, là, c'est des trucs où tu régresses, tu vois. Ça fait pas plaisir. Mais bon, ça fait partie du jeu. Putain, mais ça a vachement... Ouais, ça a vachement raviné, là. Hop, voilà. Bon, mais même en descente, c'est catastrophique, les amis. Mais je vous laisse en vidéo, ça vous montre mes déboires aussi. Voilà. Je suis loin d'être parfait. Je vous montre que je suis en souffrance. À tous les niveaux. En montée, en descente. Là, tu sais ce qui me fait peur, c'est le vert. J'ai peur de glisser. Et j'arrive pas à garder de la vitesse. Et tu le sais, quand t'as pas de vitesse, c'est pire. Allez, on va attendre Fabien là. Au bout. Il est là, vu que j'avance pas vite, il m'a rejoint. Ah, c'est pas mal. Ça va? Ça va, Fabien? T'es tombé? Ouais, mais c'est rien, tombé à l'arrière. Allez, c'est reparti. Rien de grave, heureusement. Putain, là aussi. Serre sur la gauche après le virage. Et voilà, c'est fini. Ouf. Allez, on est sur les derniers coups de pédale qui vont nous ramener aux voitures. Eh ben, finalement, je me suis accroché, j'ai pas coupé quand j'ai dit que je devais couper. On aura fait 30 bornes, 600 mètres de dénivelé. Bon, c'est roulant, donc ça va. Je suis quand même assez satisfait de moi, même si je suis ramassé et qu'il n'y a pas de niveau, mais au moins, c'est ça de fait. Et de toute façon, on va passer par là pendant quelques temps pour retrouver... une forme sur le VTT, perdre du poids, et voilà, il n'y a plus qu'à continuer et pas se décourager. Allez, ben, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de week-end à tous. Ciao les amis.